Bonjour, c'est donc la suite de Founder's Fortune. On va s'en mettre dans une vitesse normale, voilà. Je sais pas du tout si elle a fait la viande, comme je lui avais demandé. Pas du tout. Tchoum! Voilà, ça c'est clair. Alors. J'ai toujours pas assez de bois pour cuire. Ah, j'ai peut-être pas les capacités pour l'instant. C'est qui sait faire à manger? Pas vraiment. Cuisiner à la cuisine. Pour l'instant, on n'a pas de cuisine. Alors, équiper. Prendre la propriété. Tu viens prendre la propriété. Elle est où? Paul, s'il te plaît. Non mais... Elle en a rien à fiche, hein, de ce que je lui demande. C'est bien, t'as progressé. Si tu pouvais arrêter ce que tu fais là et faire ce que je te demande. Là, je t'ai demandé. Mettre ça. Est-ce que tu peux venir le faire, s'il te plaît? Je fais quoi là? Ah bah. Allez. Non mais... Je crois qu'elle se fiche de moi. Pas. Où c'est que je peux voir son équipement? Possession importante. Ouais. Là, elle a une épée. D'accord. Je comprends pas, hein. C'est l'un ou l'autre, elle peut pas avoir les deux sur elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Non mais t'as une hache. Tu voudrais pas plutôt venir abattre un arbre?
Il est où? Elle est où? Tu es où, Paul? Yup, yup. C'est normal qu'elle aille pas très vite, elle boite. Puis comme elle est pas sympa, ben y a personne qui va l'aider. Voilà. Ça lui apprendra. Tu m'abats cet arbre avec ta superbe hache? Ben. Mais pourquoi tu mets des coups de pied dedans? Je comprends pas. Hein. Je sais pas. Ça peut leur donner des sous en plus. Je comprends rien. L'impression que ce soit d'une grande aide. Hein. Je comprends pas tout, moi. Ah bah, va faire dodo. Ça reste la nuit. Il reste qui? Mathieu qui traîne encore dehors. Ah bah, le voilà. Bois, d'accord. Ah. On va en refaire, hein. On sait jamais. C'est quoi là, les pierres qui me manquent? C'est Edouard, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, d'accord. Ok. Yeah. Pareil, Paul le retourne au bois. On va peut-être les laisser faire un peu ce qu'ils ont envie pendant quelques minutes. Histoire qu'ils s'amusent un peu s'ils veulent. Yep. On va te donner des sous toi aussi. Possession importante, mais je suis née, c'est bien tout. Ah, mais Jonathan, le pauvre, il a rien. Ah, ça fait de la peine, il a rien du tout à lui. Si Jonathan. Il n'y a que Paul qui sait faire ça. Allez, vas-y. Ça y est, qu'est-ce qu'elle fait là? Ah. Et ça blabla, pas impressionné, tu vois toi aussi. Hein, tu fais la maline, mais... Ah. Non mais il faut qu'elle fasse à manger aussi. Incroyable ça, ces gens qui font rien. Ah, ça va être la fin de l'hiver. Ça, ça fait plaisir. Merci. Qu'est-ce qu'il fait? Je dirais qu'il fait une déclaration à quelqu'un. D'accord. Oui. Je vais pas. Hein. On va pas les contrarier, ils font bien ce qu'ils veulent, après tout, ils ont le droit de leur, d'avoir des moments comme ça. Niveau 4, très bien. Bravo, madame.
Grand seigneur, nous sommes zone maintenant en tant que bon voisin, vous devriez nous aider. Une tomate, c'est de cristal. Je suis obligé de le faire parce que sinon ils vont vouloir faire la guerre. Et pour l'instant, je suis pas en capacité de faire la guerre à qui que ce soit. C'est pas parce qu'on a tué un cochon à coup de bœuf. Ah. Dépression. Je vous ai dit, vous faites ce que vous voulez. Alors maintenant, faites ce que vous voulez. Un colon s'est blessé. Assurez-vous qu'il dorme assez. Oui, ben écoute. Qu'est-ce qu'il a à faire l'autre ? Qui c'est qui s'est blessé ? Qui c'est qui a fait un bonhomme de neige ? Je sais même pas qui c'est qui a fait un bonhomme de neige. C'est pas toi quand même qui t'es fait bobo. Mathieu. Allez. Va au lit. C'est un bon lit. Voilà. Faire un gros dodo. Oh putain. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, ils sont tous épuisés, c'est incroyable. Oh, Jonathan, il s'est écroulé. Et elle, va dormir. Elle va mourir, hein. C'est pas impossible, hein. Après. C'est déjà pas facile d'avoir des colons, alors si en plus ils meurent, franchement. Ils font pas de bébés entre eux. Oula. Ah bah voilà. Non mais... Est-ce que je peux l'enterrer quand même? Il n'y a pas de tombe vide. Ah. Alors, il tombe. Edouard. Tu, s'il te plaît, construire la tombe. Je sais, c'est pas gay, mais je comprends pas pourquoi elle s'est laissée mourir. Ah mais il suffit qu'une conversation se passe mal et paf quoi. Arrête de regarder Mathieu dormir, c'est malaisant. C'est maintenant le printemps, oui? Non mais... Désespoir. Mathieu est dans un profond sommeil. Yep. Ah, ça y est, il a des... Je sais pas. Mais arrête. Mais tu t'ennuies, mais je sais pas, fais quelque chose que t'aimes bien. Est-ce que tu pourrais pas danser? Danser, c'est bien. Ouh, 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 ouh. Ouais. Oh, tu as le rythme dans la peau, Jonathan. Oui, oui, oui. Ça y est. Il a dansé, ça va mieux. Ça, est-ce que ça va mieux quand même? Non, on va faire autre chose. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Alors, viens te relaxer, c'est bien aussi de se relaxer de temps en temps. Ah, regarde, des petits oiseaux qui chantent, ils sont contents.
printemps, c'est le printemps. Plus il a faim. Bon. Ah, c'est pas facile d'être un colon. Hein. Les autres, ils s'en foutent, ils dorment. Non, mais ils dorment. Oui, ils dorment. Voilà, vous avez perdu votre cuisinière, vous avez l'air bête maintenant, hein? Manger, ça fait du bien, non? Je sais pas, moi, il veut rien faire. Jonathan? Si tu semais des tomates, tiens, vas-y. Le jardin, ça fait toujours du bien. Bah, faut s'en pas désespérer. Ah, ça commençait juste à lui faire du bien, en plus. Ah, mais il a faim. C'est ça le problème. Il a faim. Ah, ce jeu est hyper compliqué. Il est mignon, mais compliqué. Hein. Ou je suis pas très douée, peut-être. Mais... Jonathan a perdu connaissance. Ouf, la tête dans la terre, comme ça. Ça devrait aller, hein. Ou pas. C'est sûr que... La santé décline. Je peux pas le mettre sous perfusion, j'en ai pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le mec, il tombe dans les pommes. Il va mourir, et puis c'est tout. Moi, je sens qu'Edouard, il va devoir refaire une tombe. On va la faire tout de suite. Hein. Voilà, à côté de Paul, même si elle aimait personne. Tout le temps. Allez, Edouard. Yep. Viens nous faire la tombe. Voilà. Il a faim aussi, hein. Voilà. Enterré. Et ensuite, eh ben... Cuisiner au feu de camp. Et comment il fait pour la prendre, celle-là? Eh ben, viens faire ça, je sais pas, moi, bon, fais quelque chose. Comment il peut apprendre à cuisiner si Quoi? C'est moi qui l'apprenne à cuisiner. Il n'a pas cette compétence. J'ai qu'un point. Culture préférée, mais ça on s'en fiche. Tous amis des animaux. J'ai pas la possibilité. Je sais pas du tout comment on fait. Ça, je peux rien y faire. Hein. Il va falloir tout apprendre, mon gars. Parce que là, on est dans la crotte. Bon, je pense qu'on est dans la crotte de toute façon. Pas assez de pop. Ah. C'est un peu compliqué. Ah, mais il est déjà dans les pop. Oh, bah voilà. Oh, bah ils meurent tous! Tu es mort, Edouard a perdu connaissance. Non, bah, ils meurent tous. Bon, bah, je pense qu'on se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle colonie. C'est dommage, on avait bien avancé. Je pensais que c'était bon. Survivre à votre premier hiver. Ouais, si on peut dire. Fin de partie. Et voilà, et bah, écoutez, on a été encore une fois nuls. On recommencera la prochaine fois. Sur ce, moi, je vous fais des bisous. Je vous remercie pour vos pouces, pour vos abonnements et pour vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt.